Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Aujourd'hui, eh bien, c'est le signe du poisson, le dernier signe du zodiaque. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Petit rappel, le pouvoir des archanges. Eh bien, les archanges sont des anges supérieurs, placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, n'est-ce pas, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Alors les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole, n'est-ce pas, de leur caractère divin, et leur nombre varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, n'est-ce pas, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment. Mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, n'est-ce pas, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre? Les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent, eh bien pour le poisson, c'est l'archange Sandalphon, qui veut dire le frère. L'archange Sandalphon est donc associé au signe des poissons et il joue le rôle suivant. Il est un messager auprès du Créateur. Si jamais vous invoquez Sandalphon pour recevoir son aide, eh bien soyez très attentif aux mots qui vous viendront en tête. Alors ça peut être sous forme de poème, sous forme d'une chanson, lorsque vous écouterez une chanson, ou autre, n'est-ce pas? Il pourrait être un message ou même une réponse à votre demande ou à vos prières. Alors, qui est l'archange Sandalphon? Eh bien, l'archange Sandalphon est un archange qui était humain auparavant. Comme Métatron, ils étaient frères jumeaux. Sa vie spirituelle terrestre était telle qu'il a fait son ascension directement dans le monde des archanges. On dit qu'il a vu le prophète Élie durant sa vie humaine. La mission principale de ce bel archange Sandalphon est de transmettre vos prières au Créateur pour qu'elles soient entendues et évidemment exaucées si possible. Son nom signifie « frère » en grec, en référence à son frère jumeau, l'archange Métatron, et les jumeaux sont les deux seuls archanges du ciel qui étaient à l'origine des êtres humains. Le Créateur leur a confié une mission à remplir en tant qu'archange immortel, et pour les récompenser du bon travail qu'ils avaient accompli sur terre, et leur permettre de poursuivre leur service sacré, eh bien, à partir du ciel. Le rôle principal de ce bel archange Sandalphon
consiste à transmettre les prières humaines au Créateur pour qu'elles soient exaucées. On dit qu'il est si grand qu'il s'étend de la terre jusque au ciel. Les messages de Saint-Alphonse sont transmis tels des rêveries par des doux murmures portés par les anges jusqu'à vous. Lorsque nous invoquons ce bel archange, restons à l'affût de toute musique qui tourne en boucle dans notre tête. Peut-être lisons les paroles de cette chanson, car il y a des messages pour nous. Tendons bien l'oreille, car ces messages peuvent passer inaperçus si nous n'y prêtons pas attention. Ce bel archange, il vient à vous pour vous permettre d'augmenter vos vibrations et vous inviter à découvrir le royaume angélique. Il souhaite que vos prières soient exaucées et entendues. Il vous partage les plus belles vibrations de l'univers. Pensez à toute cette merveilleuse, toutes ces belles choses que vous recevez, mais n'entassez pas les choses du monde, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vivre, il n'y a pas de plus belle richesse que la vie que le Créateur vous a donnée. N'ayez pas si peur de tout perdre, car à chaque instant, les trésors de la vie, eh bien, vous sont offerts. Avez-vous peur de savoir qui vous êtes, peut-être? N'ayez crainte de partager vos dons et vos talents à l'extérieur pour que d'autres puissent profiter de tant de rayonnement intérieur. Il voudrait vous parler de quelque chose qui se manifestera de plus en plus à vous. Car l'ego, ah, cet ego, l'ego connaît toutes les ruses, évidemment, pour vous faire croire quelque chose, n'est-ce pas? Ne confondez pas la lumière que l'ego tente, essaye d'imiter, à la lumière pure qui est en vous, qui croit, au fur et à mesure que vous manifestez votre divinité en vous. Alors l'ego sait comment, n'est-ce pas? Eh bien, vous trompez en vous faisant voir ce que vous souhaitez voir. Peut-être savez-vous de quoi il veut vous parler, ce bel archange. Il veut peut-être vous parler de, comme il a été humain, l'infidélité, la trahison, le malentendu, la manipulation, la jalousie, la haine, la confusion et le doute, eh bien, font vaciller le socle sur lequel vous avez idéalisé quelque chose ou quelqu'un qui agit comme un révélateur. Il s'agit d'une épreuve dont bien souvent vous ne connaissez pas l'issue. Elle peut s'achever par une rupture difficile ou par l'ouverture de nouveaux horizons. Cela vous offre l'occasion d'approfondir vos valeurs personnelles et spirituelles en vous permettant de vous remettre en cause afin de retrouver le chemin de votre véritable essence de vie. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Soyez beaucoup plus attentif à tout ce qui vous procure de la réelle satisfaction, n'est-ce pas? Si vous vous trahissez vous-même, vous vous transformez en victime. Vous pouvez toujours retourner une situation à votre profit ou au contraire à votre insu. Nombreux d'entre vous savent déjà faire le discernement entre ce que l'ego aimerait croire et entre ce qui est. Les grandes théories sont sans action, ne sont que brassage de vent. Le processus que vous mettez en place met du temps
avant de se maintenir pour toujours selon l'attention que vous portez à votre cœur, n'est-ce pas? Sachez que vos intuitions spirituelles et vos perceptions changeront selon vos expériences personnelles. N'oubliez jamais que ce que vous vivez n'est pas un échec, mais ce sont des expériences. Votre vie n'est pas linéaire, parfois elle relève de l'équilibre entre votre vie de famille, professionnelle, sentimentale, ainsi qu'entre désir, amour, raison et déraison. Quand s'ouvre la blessure narcissique, qui accompagne souvent une désillusion, elle vous malmène dans un sentiment de peu d'estime de soi. Il suffit qu'un doute survienne dans un contexte de votre vie, qu'il vous fragilise dans votre amour-propre. Puis arrive la désillusion. Tout s'écroule, tout tombe comme un bloc qui s'écrase sur vous et vous perdez confiance en vous-même. Vous allez vous questionner, ne suis-je pas à la hauteur? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Chaque blessure qui s'ouvre implique un changement à l'intérieur d'une personne. Si vous vous attachez à quelque chose ou quelqu'un comme un trophée, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas aller plus loin, car vous restez bloqué dans une conception rigide de votre bonheur qui ne peut se comparer à autrui ou à quelque chose. Pour que votre ouverture se réalise, vous avez besoin de rien, si ce n'est de vous détacher de tout ce qui vous limite et vous empêche de voir votre existence plus grande, plus étendue. Et enfin, pour que juste la connaissance résonne en vous, telle une évidence. Si vous développez un dialogue intime avec le Créateur, n'est-ce pas, avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, etc., vous informerez à tout instant de votre évolution, de vos changements et de cette part de vie que vous souhaitez partager. Informez-les de tout ce qui vous touche, vous fait mal au cœur, vous traumatise et vous rend triste. Ils sont là, omniprésents, à vos côtés. Ils vous tendent la main. C'est une entraide immédiate. Rien ne sert de ce que vous donnez avec votre cœur. Rien ne se perd de ce que vous donnez avec votre cœur. Tout est maintenu dans un vaste univers qui vous observe et viendra frapper à votre porte à un moment inattendu. Parfois, n'est-ce pas, le cœur des hommes est si sombre qu'il ne peut voir la lumière qui est en vous. Eh bien, pardonnez ce cœur sombre en laissant derrière vous tous ceux qui ne peuvent pas supporter votre lumière et qui renient votre divine présence. Une fois que vous aurez transmis le message ou la prière que vous désirez demander au Créateur, eh bien, soyez à l'écoute des signes, des mots de la musique que vous pourrez entendre, car ils tiendront la réponse que vous attendez. Vous méritez tout et tous une vie à la hauteur de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli de si merveilleux et à tous les niveaux, même si vous ne le reconnaissez pas par votre manque
de confiance en vous. La prière qui lui est associée à ce bel archange Sandalphon est la cornaline. Prière à l'archange Sandalphon. Archange Sandalphon, aide-moi. Entoure-moi de la lumière pure de l'amour. Je me place dans ta lumière blanche dorée. Sandalphon, reçois ma prière. Reçois mon intention. Toi qui es notre représentant ici sur terre, apporte mes prières auprès du Créateur. Aide-moi à obtenir ce que je souhaite matérialiser sur terre. Vois ce que je cherche à matérialiser ici sur le plan physique. Aide-moi dans mes projets terrestres. Bel archange Sandalphon, je te prie, viens à mon aide, apporte-moi l'abondance, apporte-moi la prospérité, intercède en faveur de ma prière, concrétise mes intentions sur le plan physique avec précision. Aide-moi promptement. Aide-moi à obtenir une réponse claire. Montre-moi le chemin. Guide-moi vers la réalisation des désirs. Montre-moi les étapes pour recevoir une cascade de bénédictions. Fais-moi savoir si je suis sur la bonne voie. Envoie-moi les signes pour la réalisation de mes projets. Montre-moi comment manifester mes désirs. Toi qui es notre représentant ici sur terre, apporte mes prières auprès du Créateur. Pour cela, je te remercie et te loue, puissant archange Sandalphon. Au nom du Créateur, je te remercie et te loue. Au nom du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils et qui entoure toute la création, je te remercie et je te loue. Que la paix et l'amitié règne entre nous, en tout temps et en tout lieu. Je te suis éternellement reconnaissant. Merci, avec toute ma gratitude. Fais une prière pour le remercier. Je vous remercie pour votre écoute. À tout bientôt.